Bonjour tout le monde, salam alaikum, bienvenue sur Marhaba TV. Et comme d'habitude, je suis très heureux de vous parler à travers ma nouvelle très exceptionnelle et spéciale vidéo. Pourquoi très exceptionnelle et spéciale vidéo? Et comme vous savez, nous vivons, et avec nous toute l'humanité, une situation difficile, de moments difficiles, une situation d'urgence, d'une pandémie, une situation de crise sanitaire causée par le coronavirus ou le Covid-19. Il y a pas mal de monde, famille et amis, qui m'ont demandé une vidéo de sensibilisation. Une idée que j'ai trouvée très intéressante et je me suis dit pourquoi pas ne pas prendre part de la campagne de sensibilisation. Et pour combattre ensemble et limiter la contamination de ce coronavirus et de Covid-19, à mon avis, il y a deux choses. Il y a les moyens à utiliser pour rester en contact sans entrer en contact avec les personnes et comme ça on limite la contamination. Ces moyens sont les emails, les textos, les téléphones, les WhatsApp, etc., etc. Il y a la deuxième chose, c'est des actions de précaution ou des préventions ou des mesures de prévention et de précaution. Par exemple, se laver les mains constamment, souvent, avec du savon, bien sûr. Moi, j'utilise le savon avec lequel je lave mon linge et ça marche. Et ça marche très bien. Se distancer, laisser une distance d'un mètre entre nous. Hein? Éviter de s'embrasser, pour l'instant. Pour l'instant, hein? Éviter les parties, les fêtes de groupe, aider les gens qui ont besoin d'aide, rester, pourquoi pas, à la maison et respecter les consignes de confinement, pourquoi pas. Au moment de la toux et de l'éternuement, éviter de se couvrir la bouche et le nez avec la main, parce que avec la main, hein, c'est très facile de transmettre les microbes à d'autres personnes, que ce soit directement en serrant la main ou indirectement en touchant des objets. Et c'est pour ça que c'est très recommandé de se couvrir la bouche avec un mouchoir ou un tissu, utiliser la manche ou bien le pli du coude. Cela limite la contamination aussi. Cela limite la contamination et ces parties du corps, ils ne viennent pas en contact avec les personnes ou les objets. Exactement. Donc, à la fin, enfin, je prie le bon Dieu, bien sûr, comme tout le monde, enfin, je prie le bon Dieu de nous aider à surmonter cette situation difficile et de sauver toute l'humanité de ce mal. De ce mal. Et pour terminer, j'ai un message. Ce message, c'est que propager cette vidéo de sensibilisation et pas le virus. Propager cette vidéo de sensibilisation et pas le virus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de vous inscrire pour d'autres exceptionnels et spéciales vidéos. Salut bien, bonjour, à la prochaine, merci.